Dans ce tuto, les bons gestes pour réaliser le transfert d'un brancard rallye à l'aide d'un drap de glisse. Le brancard contre le lit est réglé en hauteur un peu plus bas que la tête du brancard. La partie la plus lourde du patient reste toujours le tronc, des épaules aux fesses. C'est la raison pour laquelle moi et mon équipier allons nous placer à ce niveau-là. Une main prendra les épaules et l'autre main prendra au niveau des fesses. Okay. Pour faciliter mon transfert, je vais utiliser ce drap de glisse. C'est un drap de glisse sur lequel mon patient va venir glisser. On va venir placer la première moitié sous le patient et il va venir glisser sur la seconde. C'est bon? Allez, vas-y. Tu prends le drap, tac, et moi je vais venir le placer. Vas-y. Vas-y, tu peux la poser. On va mettre les pieds. Hop. Bien fléchi sur les bras, bien fléchi sur les jambes. Bien fléchi sur les jambes. Tu pousses, je tire. À trois, on y va. 1, 2 et 3. On a beaucoup plus de facilité à amener le patient au centre du lit. On va maintenant venir retirer le drap de glisse. Allez, venez vers moi.